Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, nous voulons être unis à nos anges, être unis à nos saints patrons, particulièrement ceux à qui nous vouons un amour particulier. Et en ce matin, il convient, éternel Dieu, éternel Roi, que nous puissions te rendre grâce, te dire merci, merci pour la nuit que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci parce que là où beaucoup ne se sont pas réveillés en ce matin, tu permets que nous puissions nous tenir debout. Nous voulons te dire merci pour la nuit que tu nous as donné d'avoir. Merci pour les rêves, merci pour les songes. Merci parce qu'au travers de cela, certainement tu as parlé encore à tout un chacun. Te dis merci pour le don gratuit de la vie que tu renouvelles en ce matin. Te dis merci pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Te dis merci pour nos nations que tu réveilles en ce matin, pour les foyers, les familles qui se réveillent. Et en ce matin, c'est avec Marie, notre mère, que nous voulons prier. Celle que tu as choisie parmi tant de femmes. Celle que tu as choisie pour porter le Sauveur de nos vies. C'est avec elle que nous voulons prier en ce matin. Marie a su communier intimement à la passion de ton Fils. Aussi, de cette manière, elle a été associée d'une manière unique et particulière à la gloire de sa résurrection. C'est pour cela, ce matin, éternel Dieu, nous célébrons la compassion de Marie, la compassion qu'elle a eue et qu'elle cherche à donner à tout un chacun de nous. Hier, nous avons fêté la croix glorieuse de son Fils, cette croix victorieuse. Et aujourd'hui, Marie, en ce matin et en ce jour en particulier, nous voulons prier avec toi. Et à toi qui m'écoutes de là où tu es, quelle qu'en soit la position dans laquelle tu es, la situation dans laquelle tu es, je veux tout simplement que au fond de toi, que tu puisses demander véritablement l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. Et au travers de ce cantique, je t'invite réellement à demander sa présence à tes côtés. Amen. Sur nos pas,
aux mers de douleur, qu'il dut être déchirant pour votre cœur, le spectacle de Jésus mourant pour des ingrats dans les plus cruels supplices. Mais votre amour pour nous, ô Marie, l'emporte encore sur l'excès de votre douleur. Et debout au pied de la croix, vous consentiez au sanglant sacrifice du Fils bien-aimé dont la mort devait nous réconcilier avec Dieu. Pourrais-je donc oublier jamais tout ce que votre amour pour moi, qui ne suis qu'un enfant pécheur, vous a coûté de souffrance, d'angoisse sur le calvaire? Car le sang précieux que vous voyez avec douleur couler sur la croix, ce sont mes péchés qui l'ont répandu. Je reconnais donc mon ingratitude, ô Marie, mais je reconnais aussi tout ce que vous êtes devenu pour moi en ce jour. Pourriez-vous jamais oublier le testament de votre cher fils? Ces dernières paroles nous ont rendu vos enfants adoptifs. Souffrez donc que nous vous appelions notre mère. Oui, nous nous réfugions entre vos bras maternels, ô Vierge Sainte. C'est par vous que nous obtiendrons la grâce d'une conversion sincère et sous ses auspices, les grands mystères de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, dont vos douleurs sont inséparables, seront pour nous la source d'un entier renouvellement dans la piété et la ferveur. Amen. Les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Notre-Dame des douleurs, en ce matin, je viens remettre et déposer dans tes mains toutes ces familles en souffrance, ces foyers en souffrance, toutes ces âmes perdues, égarées, toutes ces personnes dans le doute, la peur du lendemain, du quand dira-t-on, ces enfants qui souffrent, ces orphelins, ces veuves, par ton intercession maternelle, que tu puisses leur obtenir les délices de Dieu Créateur et de ton Fils bien-aimé que tu as porté en ton sein. Et en ce matin également, Marie, je te demande particulièrement aussi de nous aider à porter nos croix de tous les jours,
nos croix qui nous empêchent de véritablement demeurer dans la présence de ton Fils, qui nous empêchent de marcher à sa suite, qui nous empêchent de pouvoir dire oui à ses volontés et à ses préceptes. Marie, en ce matin dimanche, où certainement beaucoup sont en train de se préparer pour aller communier, manger le corps de ton Fils et boire de son sang, qu'au travers de cette Eucharistie, que tu ailles à la rencontre de toutes ces âmes, mais également de ces âmes dans nos maisons et dans nos différentes nations. Telle est la prière que je fais monter en ce matin, Marie. Plaise à toi et par ton intercession de nous accompagner tout au long de cette semaine qui se donne à tout un chacun de nous. Donne-nous de véritablement te voir à l'œuvre dans nos vies. Donne-nous de véritablement voir les délices de ton Fils, mais également de marcher selon ses préceptes à lui. Alors bien-aimé, c'est dans cette mouvance-là que je te souhaite de passer une excellente journée, une très bonne journée dominicale avec tes miens, avec la famille, et toujours dans la présence vraie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.